Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un livre de coloriage de Tatiana Boguema Stolova. Voilà, donc j'avais déjà un livre d'elle que j'avais acheté il y a un petit moment. Je vous le montre. Je glisse avec ma chaise. Alors, il est. Voilà. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Non plus. Oui, c'est celui-ci. Hop. Me le revoici. Donc, c'était celui-ci. Le Nice Little Two. 4, donc four. Voilà, donc avec les petites souris. Donc j'avais déjà fait des colos dedans. Voilà, vous voyez, j'avais déjà fait des petits colos. Je sais plus combien, si j'en ai fait un ou plusieurs dans celui-là. Attendez, je regarde. Non, j'en ai fait qu'un. Je n'en ai fait qu'un. Oui, je n'ai fait que celui-là. Donc, oui, c'était celui-ci. Donc, voilà. Il faudra que je continue les autres. Et celui-ci, donc, derrière chaque dessin, vous voyez, il y avait une page noire. Là, j'ai acheté donc avant-hier sur Amazon le tout dernier. Donc il me paraît moins, ouais, il est moins épais. Le tout dernier, donc qui est sorti le 3 janvier, voilà, de cette année, sur le thème du Valentine Day, donc du jour de la Saint-Valentin. Toujours avec des petites souris, donc le voici. Un fifi, bien sûr. Voilà. Donc, alors c'est toujours fait par Amazon, donc c'est toujours du papier Amazon. Alors, par contre, cette fois-ci, il n'y a pas de papier noir derrière les feuilles, derrière les dessins. C'est dommage. Bon, je sais pas pourquoi, mais bon. On verra. Bon, de toute façon, le papier est le même, hein, je regarde. C'est le même papier. Oui, c'est le même papier. Hein. Ouais. C'est le même papier. Alors, là... Je crois qu'ils n'étaient pas en double les dessins. Non, je pense pas. Ah si, ils étaient en double. Non. Ah non, c'était des extraits des autres livres qui étaient à la fin, sur celui-là. Voilà, c'est pour ça qu'il était plus épais. Donc ici, ce n'est que sur le thème de la Saint-Valentin, avec nos petites souris. Normalement, il n'y a pas de double. Donc, voilà. Donc, bon, c'est juste un peu dommage qu'il n'y ait pas la page noire derrière. Bon. De toute façon, moi, quand je vais colorier... Alors, sur le papier Amazon, de toute façon, je n'utilise pas de feutre, je n'utilise... pas de peinture, enfin je veux dire d'aquarelle, tout ça. Je ne fais que du crayon, hein, c'est plus prudent. Et je mets une feuille cartonnée derrière pour protéger le dessin qui est derrière. Voilà. Donc là, alors je ne sais pas combien il y a de dessins dedans exactement. J'ai pas regardé.
Est-ce qu'il marque? Non. Et là. Tac, tac, tac. 25. Voilà. Il y a 25 dessins sur ce livre. Voilà. Donc, je vais vous le montrer comme d'habitude en détail face bureau. C'est beaucoup plus facile. Comme d'habitude, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Si jamais vous voulez le retrouver, il n'est pas très cher, même pas cher du tout. Donc, très accessible. Là, c'est l'édition en anglais. Mais bon, on s'en fiche, hein, nous, c'est les dessins qu'on fait, hein. Il était à 6,49 €. Donc, ça va. De toute façon, il n'y a que les éditions en anglais, hein, chez Tatiana. Donc, mais bon, ça c'est en anglais parce que le titre est en anglais. Puis là, il y a un petit texte à l'intérieur. Voilà, ici. Bon, il est en anglais aussi, mais bon, on s'en fout, hein. Ce qui nous intéresse, c'est les dessins. Voilà. Donc, je vais vous mettre en musique et face bureau, donc les jolis dessins qu'il y a dedans. Et dans la semaine, on fera un joli dessin ensemble en vidéo. Et comme on commencera à faire quelque chose dedans, je verrai lequel je choisirai. Je ne sais pas encore lequel. Je vais vous laisser visionner la suite. Si vous avez des questions, ça se passe sous la barre d'infos, en commentaire. Je vous remettrai également le lien de celui-ci, si jamais il vous intéresse. Et puis, je vous remettrai le lien de celui-ci quand je l'ai présenté dans mes vidéos. Voilà. Je vous fais des gros bisous tout de suite et je vous laisse visionner la suite pour découvrir les jolis coloriages à faire dans ce livre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Bon visionnage. Bisous, bisous.